Regarde, il y avait un homme très riche, il y avait un homme très pauvre. Chacun d'eux avait un fils, et chacun d'eux vivait de part et d'autre d'une grande colline. Un jour, l'homme très riche fit monter son fils au sommet de la colline, et, embrassant tout le paysage d'un grand geste du bras, il lui dit « Regarde, bientôt tout cela sera à toi. » Au même instant, l'homme très pauvre fit monter son fils sur l'autre versant de la colline, et, devant le soleil levant qui illuminait la plaine, il lui dit simplement « Regarde. » Lorsqu'on se promène dans la nature, lorsqu'on se trouve devant un beau paysage, il ne tient qu'à nous de penser que tout cela est notre bien commun. Notre société a peu à peu dévalorisé tout bonheur gratuit, pour ne glorifier que la possession et l'achat. Elle a fait primer l'avoir sur l'être et l'économie sur l'individu. Mais a-t-on vraiment besoin de posséder quelque chose pour l'admirer et ressentir du bonheur? Une toile de maître dans un musée est offerte à tous. N'en profitons-nous pas plus que celui qui l'enferme dans son coffre?